Jean-Paul Delfino. Donc, moi aussi, des romancières. Avec votre roman Les Voyages de Stable. Alors, je vois toujours quel effet ça fait de recevoir un petit. Ça fait terriblement plaisir. C'est flatteur. C'est. Comme je dis toujours, entre auteur et autiste, il n'y a pas une grande différence. Donc là, quand une reconnaissance vient de l'extérieur, c'est vraiment très bien. Maintenant, il faut garder les pieds sur terre. Un prix, d'abord, on ne sait jamais pourquoi on l'a ou pourquoi on l'a pas. On n'a aucune explication. Et puis, ça ne rend pas le livre ni pire ni meilleur. Donc, il faut le prendre pour ce que c'est, une reconnaissance à un moment donné de véritables lecteurs. Le salon de Saint-Louis brille par cette particularité. Ce sont des vrais lecteurs qui ont planché là-dessus. Et puis, en plus, c'est le prix des romancières. Donc, c'est une reconnaissance par mes pairs. Et là, je dois avouer qu'être reconnu par des femmes, c'est quand même très, très, très agréable. Quand on écrit un livre, c'est de toute façon une façon de voir le monde qu'on propose aux autres. Et moi, dans cette société de plus en plus virtuelle, de plus en plus déshumanisée, ce qui m'intéresse, c'est justement l'humanité des gens. Donc là, c'est un tête-à-tête, un huis clos un peu étonnant, parce que il y a une unité classique extrêmement rigoureuse, unité de temps, unité de lieu, unité d'action. Ça se passe de nos jours dans une nuit, en une seule nuit, à Paris, et en même temps, ça dure 350 ans, il se passe 1000 choses et ça va sur les 5 continents. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est l'humanité des gens, l'humanité des personnages, et parler de ce qui nous touche au plus profond de nous-mêmes, et pas obligatoirement jongler avec des concepts plus ou moins éthérés. Moi, j'aime la, comme Sandrars, qui est, j'ai pas de maître, mais j'ai des phares en littérature, et Sandrars, je parlais de la vie dangereuse, et j'aime cette vie dangereuse qui fait que si on reste le cul posé sur une chaise, on peut avoir des pensées extrêmement profondes, mais on ira toujours beaucoup moins loin que quelqu'un qui prend des risques et qui traverse la rue pour aller voir ses semblables. Oui, c'est presque du Audiard aussi, hein. Il y a une citation. Ah oui, alors là, c'est mon deuxième phare, Audiard. Oui, c'est l'humanité, encore une fois, qui m'intéresse. C'est quand je viens dans les salons, évidemment, je suis ravi si j'ai un prix, je suis ravi de signer des livres, de vendre des livres, mais ça n'a strictement aucun intérêt s'il n'y a pas des rencontres. Et moi, je sais que j'ai des consoeurs et des confrères qui, chaque fois qu'ils ont signé un livre, ils mettent un petit bâtonnet et au bout de 5, ils battent. Moi, c'est pas ma façon de faire. Je préfère passer un quart d'heure avec un lecteur ou une lectrice que je ne connais pas et échanger même l'espace d'un quart d'heure des choses, des sentiments, plutôt que de signer 3 livres et marquer pour un tel amicalement Jean-Paul. Pour moi, ça n'a pas de sens. J'ai fait des milliers de dédicaces depuis 20 ans et je vous jure que je n'ai jamais fait 2 fois la même dédicace.